Bonjour et bienvenue aux capsules Psycoach Pierrette Desrosiers. Bonjour Pierrette. Bonjour Sonia. Nos capsules, comme d'habitude, traitent des compétences émotionnelles chez les entrepreneurs. Aujourd'hui, on va vous parler de la critique. Alors d'abord, Pierrette, pourquoi c'est si difficile de recevoir une critique? C'est à cause de notre ego. Notre ego? Oui, notre ego. En fait, c'est paradoxal. Hein? Tu sais que, comme être humain, on cherche tous à s'améliorer. Hein? Habituellement, là, on veut être meilleur, on veut être plus compétent, on veut devenir une meilleure personne. Mais en même temps, si je te dis, Sonia, j'ai une critique à te faire, il faudrait que tu améliores telle chose. Là, c'est comme une blessure à l'amour propre. Là, notre ego en prend un coup. C'est comme si on se sentait menacé. Donc, il faut juste comprendre que, comme être humain naturellement, c'est naturel d'avoir une résistance à la critique. OK? Mais c'est quand même important, j'imagine, de l'analyser, de la recevoir. On peut probablement faire des bonnes choses avec ça. Absolument. C'est drôlement important. Comme entrepreneur, comme leader, comme gestionnaire, en fait, si je veux m'améliorer, il y a juste deux façons. La première, on appelle ça, c'est un grand mot, faire de l'introspection. Ça veut dire se regarder, s'analyser, tu sais, là, prendre un recul par rapport à ce qu'on a fait. Mais la deuxième façon, c'est lorsqu'on reçoit un feedback ou une critique sur ce qu'on fait. Alors, si je veux m'améliorer, il faut que je sois ouvert à la critique. Que tu aies l'information de la critique. Absolument. Mais dans ce cas-là, souvent on reçoit des critiques, mais on ne sait pas tout à fait, bon, est-ce qu'on doit la considérer ou pas. Alors, est-ce que tu as des trucs à nous donner pour bien analyser une critique? Alors, Sonia, pour évaluer, dans le fond, une critique, je vais te parler de mes 5 filtres. Alors, le premier filtre, lorsqu'on reçoit une critique, on peut se demander au niveau de la compétence. Est-ce que la personne est compétente pour me donner une critique par rapport à ça? Par exemple, votre mécanicien, c'est peut-être pas la personne la mieux placée pour vous donner une critique sur la décoration de votre bureau. Par contre, s'il vous parle de votre conduite automobile et comment ça peut affecter la mécanique de votre voiture, peut-être qu'il y a lieu de l'écouter. Ensuite, le deuxième filtre, c'est au niveau des conflits d'intérêts. Est-ce que la personne est en conflit d'intérêts avec vous? C'est-à-dire, vous voulez vous présenter sur un comité, par exemple X, comme administrateur, et on vous dit, mon Dieu, tu n'as pas le profil pour ça, mais cette personne-là se présente aussi. Donc, peut-être conflit d'intérêts. Troisième filtre, est-ce qu'on vous donne une critique qui est précise ou trop générale? Hein, si on vous parle de votre personnalité, que vous devriez améliorer votre personnalité, tu dis bon. Donc, la critique, elle doit être faite sur quelque chose de précis. Le quatrième filtre, on peut se demander, la personne qui me donne une critique sur un comportement X, est-ce qu'il y a un consensus? C'est-à-dire, allez voir d'autres personnes, est-ce que les autres aussi perçoivent ça, ou c'est la seule qui voit ça comme ça? Et le cinquième, ami ou ennemi? En fait, est-ce que la personne qui vous donne cette critique-là, est-ce qu'elle a une bonne intention? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous respecte, qui a des sentiments positifs, ou c'est une personne qui vous envie? Peut-être que la critique sera biaisée. Alors, passez les critiques à travers vos 5 filtres. Alors, on vous invite à rester des nôtres pour les prochaines capsules qui vont traiter, entre autres, du changement, la motivation, la gestion du stress, atteindre ses objectifs et bien d'autres encore. Et cette semaine, le défi pour nos entrepreneurs, Pierrette, qu'est-ce que tu leur suggères? Écoutez, cette semaine, mon défi pour vous, c'est de reprendre une vieille critique peut-être que vous avez reçue, puis vous avez jeté à la poubelle, ça n'a pas fait votre affaire, et de la passer à travers les 5 filtres que je vous ai donnés. Et peut-être vous en conserverez une partie et peut-être vous la remettrez à la poubelle. Alors, mesdames et messieurs, bonne semaine.